tout le monde, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 3, et là on s'apprêtait à vouloir faire du commerce, mais il paraît que si on va faire du commerce, on va se faire péter les dents, donc on verra bien. Je crois qu'il avait pas appuyé sur le bouton avant que tu fasses ta blague. Ouais, bonjour. Bah on verra ça tout de suite. Bah on verra la vidéo, on verra la rediff. On verra au montage. Au montage. Techniquement, non, ils vous entendront pas avant que je décrète que ce soit l'heure de vous entendre. Pourquoi ils ont tous l'air méchants là? Bah, parce que. Alors, c'est qui le petit? Ah! Le ils petit. J'allais dire un truc horrible! Trop tard! Je le suis dans une discussion sans faire exprès. Ah, y'a quelqu'un qui a réussi à faire la discrétion, je crois. Ah! Ah, bah, je crois qu'on va la tuer, hein! Attends, je. Vous avez vu mon soutif, c'est la même couleur que ses épaulettes? Ah, ça pourrait être. Coïncidence, je ne crois pas. Bah, ça veut dire qu'il y a qu'un seul de nous qui peut avoir une armure de cette gueule là, donc bon. Sérieux, tu veux la truquer? Malheureusement. Mais non, je suis de son côté. Eh bah, t'as 10 ennemis et t'as que 9 doigts, allez. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'avais dit, c'est la bagarre. Après, si tu veux aller faire du commerce, tu peux. Hein. Ah, bah, y'a quelqu'un qui est mort. Ah non, les enfants ils sont pas dans le turn order du combat. Après on peut quand même les fumer. Moi je suis pas dans le turn order hein. La chance, une petite boule de feu Arda là. Merde, je suis dans le turn order maintenant. Ah dommage. Putain, je suis trop loin encore une fois. Mais de toute façon la boule de feu j'aurais pu la mettre uniquement sur les gens qui sont pas contre nous là. Je vois pas d'ennemis à l'heure actuelle. Ah. Mais tuer des Zentarines, moi ça me botte toujours hein. Ah ouais. Pourquoi c'est quoi les Zentarim, ils sont pas gentils? C'est des connards. Bah c'est la guilde des voleurs, c'est une autre guilde des voleurs en fait. Ok. Mais bon, ils ont un peu de scrupules vu qu'ils s'allient avec l'absolu. Ah c'était eux qui faisaient le commerce de... mince. Moonrise Tower. De Moonrise Tower jusqu'à la ville, le bateau là même, celui qu'on avait, où on avait turbo bagarré les gens avec le Stone Lord. Ah ouais, on était mort une fois, ouais. Et ben, oh, il a cassé du mobilier. Ah, bien joué. C'était. Il y a un Jean qui est tombé, qui s'est pris un dégât de chute. Ah bah, je pense que là, il s'est pris les pieds dans le tapis. Il était que dans le tapis, bon. Alors, si quelqu'un a un petit truc de feu à mettre sur l'alcool que j'ai mis sur le dessous, c'est le bienvenu. Ah bah. Je sais pas comment ça va réagir, sachant qu'ils ont les pieds dans l'eau. Écoute, essaye, tu verras bien. Mais j'ai pas de feu moi. Bon, t'as pas une petite potion là? Petite potion incendiaire là? Ah oui, si, oui, c'est vrai. J'ai. Moi je vais aller tuer Arnaud Poiscaï. Parce que j'aime pas son nom. Eh hey, Arnaud Poiscaï. Salut. Alors, il paraît qu'on a demandé du feu. Et bien évidemment, je suis trop loin pour pouvoir faire ça. Ah ouais, je peux aussi aller peut-être taper sur ceux qui sont à côté de toi. Bien. Non! Vous avez cassé le... J'ai cassé quoi? Ah non, c'est bon, je peux passer, j'ai rien dit. Ouais, c'est bien ce que je me disais, ouais. Tu t'occupes des deux ou tu veux un coup de main? Bah j'ai fini mon tour, mais je vais les tuer au prochain coup, hein. Les deux? Oui. Tu vas faire sans... Tout va bien. Ouais? Ok. Bon bah je... Fais-toi plaisir en bas. Ah, oh, je peux lui taper dessus. Oh, let's go. Bonjour. Allez, tiens. Miaou. Moi, je me rapproche de l'action. Ah, tenez de l'action. La dernière confession. Mano. Bah oui, Mano, oui. Ça a fallu quelques secondes pour revenir. Ça aussi c'est la rêve de vieux, hein, putain. Ah là là, mais c'est parce que t'as passé la trentaine y a pas longtemps, ça, mon petit gars. Là. Ah bah, ça clairement. Hein.
D'ailleurs, pendant qu'on tourne cet épisode aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Malvin sur le Discord. Donc vous verrez cet épisode avec beaucoup de retard, mais souhaitez un bon anniversaire à Malvin dans les commentaires. Bon anniversaire. Anniversaire Malvin. Fais attention parce qu'à la fin du moment où on devient plus vieux, on meurt. Non, à la fin du moment où on devient plus vieux, on est soleil. Ah oui, c'est vrai. Mm. Ouais, ta gueule, après la pluie, le beau temps. Exactement. Putain de merde. Ou le beau temps. Le beau temps. Ah bah, oula. Ouais, j'ai tué deux gens. Ils étaient faibles. Ils ont choisi pauvrement. La mort. Ils ont choisi misérablement. Tu choose poorly. Voilà, merci. Est-ce que vous pensez que si je saute par-dessus le feu, je vais me cramer la gueule? Bah, vu que t'es court sur pattes, tu risques de te cramer la barbe, ouais. Ouais. Ah, y'en a un qui fait de l'eau. Inspiration de Bard sur la meuf qui est Ok, pourquoi pas. Non, on peut aller surfer. Why not? Oui. Maintenant que tu le dis, oui. Il vient de foncer sur un 3 pièces, on dirait un bourgeois à Paris, quoi. C'est quoi ce truc? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'était génial et totalement inattendu. Bah, y a un gars qui s'appelait 3 pièces, en français c'est Dash. Ah, d'accord. Et il y a marqué foncer sur 3 pièces. Et j'étais en bah, le bobo parisien, qu'est-ce que tu fais là? T'es perdu? D'accord. Non, mais j'avais pas vu que le nom du mec c'était 3 pièces, j'étais là, mais ça sort d'où? C'est beau. J'aime bien. Ah oui, à 20 sur 20, vraiment. Il y a du potentiel. Ah, et c'est exactement ce qu'ils ont dit d'ailleurs. Voilà, mais. Sont... fait... mais arrêtez-le! Killing spree! Killing spree. Bon. Du coup. N'empêche, je suis lancé de couteau, 32 de dégâts à chaque fois, ok. Ah, ils se mettent bien. Hein. Oh, hey, t'en as un que tu peux pousser là! Bah, c'est exactement ce que j'ai pensé. Ah ouais, vas-y, emmène le bois. Dans le mur de feu, dans le mur de feu. Ah, trop bien, la service à domicile, bonjour. Bonjour. Ah, mec, je vais te faire un Deliveroo, tu vas rien comprendre. Pourquoi il y a un loup à côté de moi? Parce qu'il a été invoqué, c'est un Deliveroo. Il délivre des toilettes. Deliveroo, L-O-O? Non, L-O-U-P. Ah. Parce que le Deliveroo avec deux O, ouais, effectivement, ça... Quand on est dans les égouts en même temps, ça paraît logique. Bah, oh c'est vrai que... Oh, comment lui, il est mort? Ah, il va bien le faire foutre, le canidé, là. Qu'est-ce que tu fais? C'est un lupus. Oh non, il va rester... C'est bien la première Doctor fois House. Que t'as un lupus, quoi. Ça allez, toi, tu meurs aussi. Il va te faire foutre. Ah. Pardon. Non mais, hé hey. Ça va, oui. Ils sont où, les méchants, là? Je les vois plus, les méchants. Tu vas la fermer ta gueule? Si. Voilà. Ouais, ils sont loin. Attends, je te l'envoie, t'es prêt? Oh, ouais. Il est où? Bah, le problème, c'est que je crois que je vais le tuer, mais bon. Je l'ai envoyé, mais il est mort. Il est mort. J'ai essayé, je suis désolé. Pas grave, attends, je vais aller chercher. Bonjour. C'est incroyable cette attaque. Oui, bah, j'ai même pas besoin d'intervenir, quoi, tu vas le finir tout seul, hein. Non, ça va, j'ai plus de... Je peux plus le bagarrer. Ah, tu peux plus le bagarrer, donc il va falloir que je trouve un spell qui va le défoncer sans le défoncer, sans te défoncer toi. Alors ça peut... Tu peux balancer un truc, hein, techniquement, je pense qu'on va bientôt faire un court repos et je suis pute. Je sais pas. Faut voir avec les deux autres messieurs, mais Est-ce que je peux le désintégrer? Mais oui. Bah là, non. Tu vas, oui, ça va désintégrer, je pense. Possibilité de déplacement insuffisante, j'ai pas la portée pour le désintégrer. Putain. C'était prévisible. Bon, est-ce que ça vaut le coup de gâcher ce magnifique truc qui me permettrait de balancer un deuxième sort de niveau 6? Je pense pas. On va juste lui mettre un missile magique dans la mouille. 6 à 15, il a combien? Il a 29. Mmh. Ah ouais, attends, je vais lui mettre un sort de niveau 5 quand même, ça devrait le finir. Oh, joli. Bah, c'était un peu overkill, je pense que le niveau 5 était un peu abusé, j'aurais pu faire avec moins. Bois.
Tu feras gaffe, tu viens de buter un mec, Arda. Ah oui, peut-être retire ton bure de feu. Sinon, on va devoir tuer tous les autres. Il a tué des gens. Oups. J'imagine. Ah, merci beaucoup pour le coup. Pourquoi ? Vous m'avez sauvé là. Ils y sont, qu'ils y restent. De toute façon, il n'y a rien qui prouve que c'est mon mur de feu. Est-ce qu'il y a d'autres magiciens autour de nous ? Oui. Bon, il est où le vendeur là ? Là, il est là, le petio là. Oh, ta gueule. Attends, ce d'en bas, il faudrait peut-être les looter parce que j'ai l'impression qu'on peut pas les. Ils sont en rouge. Si, on peut ? Si, on peut. Et Arnaud Poisca, il est pas en rouge. Hein. Oh bah tiens, il avait des intestins de verre. Ah oui, ça c'est pour les potions ça. Ouais. Un canon pareil, on se doute bien que c'est pas des potions. Recette débloquée, mucus de rampant. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, trop bien. Mais je veux pas acheter un chapeau ? Achète le chapeau ! Rendez-moi achète mon le chapeau. Le chapeau. Je vous avais dit de lui prendre son bâton. Ah par contre ça me fait mal au cœur, 800 PO pour 8 pauvres outils de voleurs. Je crois pas hein. Par contre je crois que je vais te voler sérieusement toi. Ah merci, c'est gentil. Ça me j'apprécie. Moi j'ai déjà lui vendre si jamais. Bon moi je vais parler avec la reine des voleurs en attendant. Oh j'ai trouvé des... Oh j'ai pas un pet d'élixir intéressant à faire. Ah bah attends je vais t'envoyer des compos. Vas-y, pendant ça, j'ai pouvoir... Peut-être pouvoir faire des zongans pour les armes. Globalement, c'est. Oh non, ils m'ont trahi. Ah là là. Bah, ils sont trop nombreux, les mobs. J'arrive pas à me cacher là. Après, en soi, vu ce que je dis, vu toutes les merdes que j'ai sur moi, je pourrais récupérer la thune très rapidement. Molle, ils font rien de bien. Hein. En fait, c'est surtout qu'il faudrait, faudrait faire. Comment dire, faudrait. C'est Molle à qui il faudrait parler en fait. C'est quoi, tu voudrais que. Tu veux voler Molle ? Non, je veux voler celui à qui tu parles là. Attends, je parle à celui que tu veux voler. Oui, mais en fait, Molle me regarde et du coup, je peux pas le voler. Ah. Attends, je vais aller parler à Molle. Hey Molle, attends, regarde cette magnifique cuillère en bois qui a été utilisée par un Zentarim. Tu me dis, hein, quand j'arrête de... Ça sera bien. Merci, c'est gentil. C'est bon ? Ouais. Ok, oh putain, on a 56 000 pièces! Oui, c'est pour ça qu'on veut pas en dépenser 800. sur la fosse Jaira, il y avait 10k. Ah bah oui. La question, c'est pas où sont les. Ouais. Où sont... Donc, est-ce des enduits, tu veux des enduits de quoi? J'ai de l'huile anti-mage par où exemple. Où est-ce que t'as lu 58 000 pièces? Parce que moi j'ai 56 000 pièces. Bah, moi j'en ai 6200 sur moi déjà. Non. Ah, je sais pas, moi tout en haut à droite, partie gold, j'ai 56 687. Mais t'as 56 000 dans tes poches, espèce de trou du. Bah oui, mais t'avais dit 58 000. 56 000. Oh, bah. Il y a eu deux cas qui ont pu partir, je ne sais pas. Dans les compos... Ah non, c'est des provisions de camp, pardon. Les crawlers mucus, c'est pas mal. C'est pas mal si tu peux en craft. Alors, tu veux quoi ? Crawler mucus, je sais pas comment ça peut être traduit. Hein. Ouais, c'est, mucus de rampant. Ouais, c'est bien ça. Hop, allez, j'en ai fait un, j'ai du poison drôle. Toxine de verre pourpre, tu m'as dit que ça t'intéressait. Ouais, ça peut être bien, ça rajoute un des 10 de dégâts. Hop là, c'est fait. Poison drôle, malice, pyromane, huile de précision, huile de gel. Attends, les bottes. Les bottes qui font le Misty Step, tu les veux pas, Katox ? Quoi ? Tu m'as filé des bottes que j'avais avant, permet d'éviter d'être entoilé, emberlificoté et ralenti, et tu peux pas glisser sur la graisse et sur la glace. Bon, j'ai le sort Misty Step et j'abandonne le Featherfall.
Franchement, le Featherfall, il est cool. Moi, je l'aime bien. C'est à Dieu vouloir. Hein. De toute façon, comme on roule de toute façon sur, sur tout le monde. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait là, du coup, en ce moment, T'étais pas en train de faire du commerce, toi? Oui, mais c'est fini, déjà. Et, ah, le shield en adamantium, tu... ça y est, tu l'abandonnes. Ah, trop bien. Ah, je range mes sacs et je suis ready to go. Projet. T'as tout à fait. Voir. Ah, voilà, ça, c'est un mec qui est culturé. Qui a mis genre des bouquins qui valent 2000 pièces d'or dans mon stock? Ah, c'est moi! C'est moi, ça. Ouais. Attends, je vais envoyer ça à Arda. D'Arda? Voilà. Arda, tu trouves. C'est parce qu'il fallait les vendre. Livre étrange. 8000 balles. Y'a quoi dedans? Rien. Ah, si, y'a plein de bouquins dedans. Mais si, c'est les bouquins justement. La gemme du chevalier rouge. C'est celui qui t'a permis d'apprendre le sort du missile magique custom, je crois. Non, non, c'est un bouquin de bouquin en fait. Oui, non, non, mais lui, quand il l'a lu, je crois que ça lui a débloqué le sort du catapulte magique ou je sais pas quoi là. Ah, AX machin là, le missile magique qui fait des dommages de fou là. Ouais, ouais. Et l'autre, c'était. Mince, des positions, je crois. Machin stratégie, là. C'est ça, voilà. Stratégie. Ok. Okay. Wow, on m'a refilé des bouquins et des parchemins. Ouais. Youpi. Oh, bah, oh putain, je vais encore devoir revendre des trucs quand j'aurai trouvé un vendeur. Bon. Allez, la porte du basilic, c'est parti. Porte du basilic, c'est parti, let's go. Porte du basilic. Porte des basiliques. Des. Ouais, ouais. Il y en a plusieurs. Ah, là, on a un basilic qui est planté. Bah tiens, j'allais aller voir le curton là, savoir s'il a de la thune. Pourquoi j'ai un poulet et de la langue de porc? On m'explique. Piu piu. Bah c'est toi le gérant de la bouffe. Ah ça, bon. Je sais pas vous, mais moi demande j'ai de repartir dans cette réfond. Tiens, c'est marrant parce que je parlais de Malvin tout à l'heure, il m'a envoyé un MP sur Discord. Oh, ça se trouve il nous écoute. Ouais c'est ça. Je suis avec vous. Vous ne le savez pas, mais je suis derrière vous. Et bah, il est très bien caché parce que je l'ai pas vu dans mon salon. Je vais vite faire aller voir ce qu'il me veut. Les armures toutes nulles, ça se dégage. Ok. Je vais récupérer ma carte graphique. Pourquoi tu vends ta carte graphique? L'ancienne, oui. Ah, tu la vends combien? C'est quoi que t'avais? C'est une RTX 2070, ça vaut plus grand chose. Ah bah t'avais la même que moi en fait. Oh, oui. C'est sans doute mieux que ce que j'ai. Bref. On va à la maison du vieux... Non, on l'a déjà fait. Du vieux Gildas? C'est ça. Où est-ce qu'il y a des quêtes sur la carte? Ouais, bah franchement... On pourrait aller... J'ai une idée comme ça. On pourrait aller tuer Gortash. On pourrait détruire la fonderie de la garde d'acier d'abord. Oh, bon. Ça fait partie en plus d'une partie de la ville qu'on n'a pas explorée. Ah, t'as raison, let's go, c'est parti. On y va. Ah, je savais que l'argument ferait mouche. Et en plus. Il y a un truc en dessous. Ouais. Il y a un truc en dessous. Bah, il y a. Je veux dire, à côté de la fonderie des Farfadets, là, il y a un autre truc à visiter. Que je n'ai pas visité dans ma partie tout seul, et je dois dire que je serais plutôt curieux, vu qu'on a un gameplay plutôt offensif, dirons-nous. Y aller. Ouais. Non. Pourquoi ça m'a mis là? Qu'est-ce qui se passe? Y'a tout qui est bugué. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas fait le manoir aussi en L. En L à côté de la porte de Baldur. Oui. Est-ce que tu veux qu'on commence par ça? Ah non, on peut. La petite cahute à côté de Katox et de Atemir, il y a effectivement un peu de l'or. Ensuite, il y a une maison là où on vient de passer devant. Katox est en train de passer devant une magnifique résidence ça me sur sa droite. Il y a plein de trucs où on n'est pas allé. Il y a un endroit, il y a une quête. Je vais faire une syncope. Tant que t'en fais que 4, on devrait s'en sortir bien. Ah, ça fait une les quais, effectivement, on n'a pas fait une partie des quais. On tourne autour des quais depuis tout à l'heure.
Il y a un truc, c'est en sauvegarde et c'est pas moi. J'y vais! Il y a un escalier en bois là, je descends par là. Il y a un petit truc pour des trains. Bonjour! Zone sécurisée! Ah bah du coup j'y vais alors, s'il y a marqué zone sécurisée, j'y vais. Sécurisée, c'est bon. Les couilles. Ah! Tu disais? Ah, ils m'ont TP ces connards! Attendez, y'a quelqu'un qui veut pendre quelqu'un, ça a l'air incroyable! Quoi? Oh! On a besoin de toi, Arda! Ah, c'est le moment, c'est ton moment! Quoi? Balance-moi un trait de feu là-dessus, là! Oh oui! Mais non! Mais là, là, là! Mais non, c'est Volo! C'est Volo, il faut. Mais t'es un malade, toi! J'avais pas vu que c'était de notre pote! Y'avait de la poudre à canon et tout, ça avait l'air incroyable! Ah oui, ben non. Regarde le mec là, tu vois, genre il y a des têtes de mort partout sur son corps. Tu as à ton avis, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Oui, effectivement, il a pas l'air très choucard. C'est pas celui qui t'a changé son ton œil? Mais si. Ah oui, c'est ça. Hein. Though you hide behind a mask of attention seeker. Ah, on dit pas seeker maintenant. Agent of chaos. Your parasite stirs in recognition. This man is infected. Vois-moi, c'est normal. Mais ta gueule, toi. T'es là, tu vois. Today we burn away all falsehoods. Today we will be divided no longer, for today we rise in truth. Ah, ça, j'aime bien les prédicateurs comme ça, ça veut dire qu'on peut les passer par le fil de l'épée. Ah, moi ce que j'aime bien c'est le mec, tu sais, mais croyez-moi, je suis de votre côté. Le gars il a des têtes de mort partout sur le corps. Ah, j'aime bien la première aussi. Il est amoureux là, le gars. Ah non. Incroyable. Ouais. Peut-être qu'on devrait aller lui sauver les biches. C'est le moment de sortir ta bouteille d'eau. Attendez. Ah oui, tes bouteilles d'eau. Attendez. On sort de pluie. Il faut le sauver. Oui. Ouais. En théorie, oui. Bah soit tu lui mouilles un peu la nuque et les pieds là. Pas de problème. Ah merde, je peux pas. Attends. Si, c'est une action ça. Voilà, c'est quoi ça? Ah, c'est pas beau. Ah oui, c'est vrai que tu crains pas le feu, toi. Vous en faites pas, je l'ai aidé. Oh, j'espère qu'ils vont pas trop avancer les autres là, parce que je peux leur mettre une belle AOE dans la gueule. Oh, qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui a mis des poulpes par terre là? Normalement, ils sont immobilisés. C'est très cthulien tout ça. Bah j'ai fait mon max. J'ai fait mon max les gars. Je peux pas faire mieux là. J'ai plus d'action, j'ai plus rien. Enfin cela dit, je peux revenir au cac là-bas. T'approches pas trop parce que je vais. Enfin ouais. Bon, bien. T'as encore de la marche quand même pour leur casser les dents là. Je te rassure Arda, je suis un moine, j'esquive tout. Tu regarde, il essaie de me tirer dessus mais il n'y arrive pas. Il est nul. Ah
Esquive. Hey. Esquive. Ton personnage, il a peur de dire chez là. Qui est le mien? Oui. Aura de meurtre. Oh, peut-être, ouais. Tiens, comment il t'a calmez-vous. Oh là, là. Attends, fais gaffe parce que. Alors, tu me diras, c'est bon, le feu, il a déjà fait le feu. Normalement, ça devrait pas lui péter à la gueule. T'as vu tous les taux de pareil du coup qui est à côté? Soit une tempête de grêle. Non. Parce que je crois que la boule de feu, ouais, la boule de feu, elle est pas assez grande pour éclater tout le monde. Non, mais après, tu peux taper les 5 qui sont dans les tentacules, pas forcément le gars sur les caisses, non? Oui. Bon, bah voilà. Oui, oui. Oh, sinon, j'ai toujours la chaîne d'éclair. Le problème, j'ai plus de flotte, j'ai que de l'eau bénite. Allez, moi je dis chaîne d'éclair. Y'a quelqu'un qui aura une bouteille d'eau à tout hasard dans les sacs? Moi j'en ai une à côté de moi, tu la veux? C'était nettement moins impressionnant que ce que j'ai escompté. Par contre, t'es un peu loin quoi, je veux bien te l'envoyer, mais ça va me mettre un petit peu de temps par la poste. Mais non, mais attends, je vais voir si dans les sacs de quelqu'un d'autre y'a pas une. Non, mais j'en ai dans mes poches là, y'en a. Ah ouais? Bah attends, je te fous tes poches. Je cherche. Je pense que j'aurais mieux fait de faire ma petite tempête de grêle. Alors, une bouteille de flotte. Et effectivement, tu as des bouteilles de flotte, mon dieu, mais cet homme est prêt à tout. Hop là, je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même envie de balancer un petit peu de flotte sur le machin là, parce que je sens pas trop le. Le volo? Bah. Fais-toi plaisir, moi je suis d'accord, parce que si ça pète. Oh, juste ce qu'il faut. Et là. Bouteille d'eau. Je jette. Oh. Ah là! Ah là, je suis un peu plus sécurisé là. Les tonneaux sont mouillés. Ah non, merde, pas tous. Ah, damn it. Bon bah voilà, c'était. Je vais même me reculer, comme ça je te laisserai la possibilité de. Hop là. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con, putain de. Ça va, il s'est barré, bien joué. Bravo. Waouh. Allez, la double esquive de la part du Warlock. Bon, pas la triple esquive, cela dit, mais. Vous remarquerez que ça fait plusieurs épisodes que j'ai arrêté de me plaindre sur les items. Non. Tox, tu réagis ou tu réagis pas? Il est. Il y a eu un AFK urgence IRL. Urgence couche. Ah. Vite, il y a du caca partout, non. Bah, tu me diras, à cet âge-là, c'est pas si ça chie tant que ça. Enfin, ça chie, mais je sais pas si c'est. En termes de quantité, je veux dire. Mais. Hé hey. Tu m'as enlevé 2 PV. Bon. 90. Ah, on va taper lui d'abord. Oh non! Oh, je sais ce que. Oh, heureusement que ça fait ça. Incroyable. Échec critique. Bien, wesh. T'es pas du tout mauvaise, c'est pas vrai? Ah, ouais. Oh putain, est-ce que tu le remets? La tatane! La tatane! Contre... Ah, oui, non, ça devrait aller. Bon. Désolé, il m'a saoulé. Non. Bah, elle va bien te faire foutre, toi aussi. Voilà, merci. Sur ce, cadeau. Oh, t'as achevé le mec qui était sur le tas de briques. Non, c'est pas moi, c'est Katox. Non, ah ouais, c'est Katox. Bah je sais pas. Mais j'ai entendu YOLO, c'est le spell de Katox qui fait ça normalement. Non, c'est moi. Bah, ça allait être toi parce que là. Bah je sais pas pourquoi, mais écoutez, j'en suis ravi. Zulreag. Ah non, si Katox il a balancé un Eldritch Blast sur Dart de Dirtwood. Qui ouais, c'est sur Fulgur Telbois, ouais. Lécher les rocks en dessous. Effectivement. J'ai même pas regardé s'ils étaient. Pardon, ça, j'ai pas passé mon temps, excusez-moi. Allez, esquive. Là, je vois un tonneau de vin de feu. Ça mériterait bien une petite fireball, hein. Ah, avec un peu de chance, t'as gros le garde d'acier d'à côté, là.
Alors normalement... Tu veux vraiment faire une fireball? Ok. Oula. Bien joué ça. En plus j'ai esquivé, incroyable. Non, y a qui encore qui reste là? Il y a lui. Ah là. Super, là, c'est celle qui a... Bah, allez, vas-y, let's go, il faut que je répète de l'autre côté là. Hop là. Ah, moi je suis en train de faire le cercle du soleil. Non. Katox. Katox, il est dans le chemin. Oui, mais je peux pas tout faire. Tu le pousses. Pourrais-tu... Ah bah non, tu peux pas te décaler. Bah non, je peux pas me... Oh, c'est laid. Oh, c'est d'une laideur. I2 est repoussant. Ah ouais, là c'est... Oh, c'est dedans. Très moche. Bon bah, hop là. Super. Hop là. Pour ça. Oh. Ah, le critique. Hop là, tiens. Allez, vas-y. T'apprendras, bougre d'abruti. Une petite flèche dans les côtes. C'est bien, il fuit toujours plus, je dis. Incroyable. T'as qu'à deux armes quand même. Ouais, ce qui me fume, hein, c'est qu'on est en train de se bastonner et il y a les deux cons là, là qu'on n'a rien à foutre. Je vous la laisse si vous voulez, priorité. Oh, je l'ai loupé, j'ai cliqué à côté. Hop là. Oups, ça dégage. Bon, volo. Ah, il avait un petit tarpon. Il a disparu, Volo. Il est là-bas. Je vais aller lui parler. Je vais aller lui parler. Oh, on a découvert un point de TP. Oh putain, faudrait vraiment que... Il y a pas un marchand, là, quelque part? Je reviens vite, off, je vais vendre mes objets pendant que vous êtes en train de blablater. Vas-y donc. Bon, du coup, je t'ai envoyé des trucs, hein. Bah non, mais... Je sais pas si Kiki là il a encore de l'argent dans ses poches. Je crois qu'il est en train de lécher le mur. And weapons. Ah, on va le retrouver à notre camp, parfait. Encore. Il fume. Il va m'enlever le deuxième œil ou ça se passe? Oui, le mais troisième, tu verras doublement l'invisible. Oh, charlatan, entre compteurs, il faut serrer les coudes. Katox a gagné l'inspiration. Ouais. Du coup, moi j'ai très envie de faire ça. Donc, bah, je vais. Attends, ton armure d'agilité, Katox, tu l'avais pu? Ah, oui, non, tu pouvais pas la mettre. Du coup, bah, je vais le faire. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai mis l'armure d'Orin, je crois. Oulala, oulala. Non, non, l'armure d'Orin, tu l'as filé, pas... je l'ai vendue. Non, c'est une autre. Ah non, c'est l'armure de. Du diable. Ah non! Il a pas compris ce que je voulais faire, mon bonhomme. Bon bah je vends ça. Ah bah là y'a plus d'or. J'ai une amulette de restauration, y'a personne qui la veut ça? Parce que j'en ai déjà eu moi en fait. Mais... Mais... Bon bah... T'as fait super mal à Katox! Mais quel idiot. Qu'est-ce que vous avez fait là? Il a fait le débile encore. Ah oui bon, ça change pas. Oh, il a cassé les trucs explosifs et du coup Katox il s'est pris genre la masse de dégâts dans la mouille. Et heureusement t'étais que... T'étais vachement loin pourtant. Heureusement que j'ai une armure qui m'empêche d'être brûlé, sinon je serais mort. Mais ce que je comprends pas c'est que t'étais loin. Mais je suis mort quand même. Ah oui effectivement Katox t'as un peu ramassé. Et pourtant j'ai une CA de 23. Hein. C'était incroyable. Bah super, trop bien. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a une madame avec un très très grand décolleté. On a... Mais non! Oui. J'adore. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh! Il est parti au moment où j'ai mis une potion que je l'ai tapé par terre. Du coup, il a pas été heal et moi j'étais déjà full vie. J'ai envie c'est de crever. Vraiment, c'est vraiment dommage. T'es au courant qu'on va faire un short rest, hein? Ah bon? Oula, oui! Ah, mais moi je veux son armure, elle est magnifique. Bon, un petit meurtre ouais, robot vite fait là. C'est pour ça que je proposais d'aller dans ce coin là. Est-ce que je peux lui voler? Attendez! Ah non! Oh. Elle me parle, je veux juste lui voler son truc. Ah, c'est marrant, ces bottes là, je peux pas les vendre. Sorry, are you here for Wave Servant Holly's funeral? Oh, it's already started. The just inside.
je peux faire le short rest. On peut. Voilà. Maison de la reine Garce. Putain, je peux pas lui voler son armure. La tristesse. Par contre, faut lui parler en fait, je lui ai pas parlé à la nana. Hein. Je me suis barré direct, je me suis dit que ce serait peut-être plus logique que ce soit vous. Le charismatique Instanta qui s'en charge. Voilà, elle nous dit de. D'aller voir la célébration. Oui, il y a un coffre qui est vide. Voilà, la nana à côté du coffre. Genre un coffre à offrande, peut-être. Mais Arda. Oui. Arda. Oui. T'es vraiment passé à côté de tous les composants de craft du monde sans les ramasser? Ah oui, parce que j'ai absolument pas regardé. Moi, je suis allé voir toutes les dames qui étaient en tenue légère. Ouais, j'ai bien compris. Puis de toute façon, si je récupère pas les composants, vous le ferez pour moi et vous me les enverrez, non? Gnu. Eh bah voilà, qu'est-ce que je vais me faire chier? Bon, je vais parler à la bonne femme, on va voir un peu ce qu'elle nous raconte. Rejoice, sisters, for Umbly has blessed her humble daughter with a pure death. Her lips blue with her kiss, her lungs full of her quenching word. Umbly's mercy saved her from a slow, sinking death in the beast's shadow. You, supplicant, what tribute do you bring to honor the Wave Mother's fallen daughter? Il demande des thunes, une prière ou rien. Attends. J'attends. Non, ça n'indique rien. Il y avait un bouquin sur les pratiques des comment ça s'appelle ? Les cérémonies des initiés d'Omberly. Il y avait peut-être moyen d'en apprendre plus pour savoir ce qu'il fallait faire, mais non. Désolé. Par contre, il y a une porte là, j'ai très envie d'y aller. A fine offering. Always appreciated in the eyes of the wave. Bon, j'ai fait ton taf, j'ai volé des trucs. Breathe deep as she permits. May the seas be as kind as you deserve. Incroyable. He's been the night jusqu'au bout. Hein. Oula. Quoi, c'est tout? Bon. Si tout est vide. Ah non, t'as pas le coffre opulent. Ouais. Tu veux que je lui parle le temps que tu chopes le coffre opulent? Vous êtes où là? Vous êtes allé dans la grotte? On est à l'étage, on n'est pas dans la grotte. Okay, merde, elle m'a vu! Oups, alors non. Alors, je m'en vais. Si on se fait remarquer, là on m'a demandé 12 000 PO si jamais. Ah. Donc bon, j'ai dit que je cherchais les toilettes et j'ai pu m'en aller tranquillement, mais si jamais... Non mais il y a un coffre dans la pièce d'à côté d'après. Bah oui. Mais il y a un mob juste après, il faudrait... Ah, il y a un coffre à déterrer quelque part, les gars. T'as essayé de fermer la porte? Non mais je te parle de ce mob là, moi. Merde. Là. Ah ouais. Il clairement veut pas que j'aille dans sa pièce. Par contre, en vrai, je pourrais y aller, fermer la porte et le buter. Ouais, non, parce qu'on risque d'avoir encore plein de problèmes.
Ouais, c'est pas que, mais peut-être que ces gens-là pourraient nous aider contre l'absolu. Ouais, oh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'eux? Oh, j'ai trouvé un passage. Oui, c'est clair que... T'as trouvé un passage? Ouais. Suivez-moi. Pour aller où? Dans une caverne sombre et humide. Ah! Ah, c'était là-bas que j'aurais voulu aller. Attendez, je finis de vendre toutes les merdes que j'avais Attends, stockées mais dans moi mon sac. j'aimerais quand même furieusement ouvrir ce coffre de voyage, on va pas se mentir que j'ai très envie, hein. Ok, et bah, si tu as très envie d'ouvrir un coffre de voyage plutôt que d'aller dans un trou sombre et humide. Je rassure, je vais faire les deux. Parfait, bah moi je vous attends caché derrière un poteau. Catox? Plaît-il? Est-ce qu'il y a moyen que t'appuies sur ta touche F5? S'il te plaît. C'est pour un pote, j'ai juste envie de tester un truc vite fait. Secours. 210 points d'XP? T'as tué quelqu'un toi? J'ai rien fait encore. Mais pour Oh. l'instant, on m'a pas remarqué, je suis rentré dans la pièce donc. Je vais Sérieux, donc t'as sauté tranquillement. devant elle? Oui, mais elle m'a pas vu. Incroyable, une clé, une cape! Let's go! Hop là, c'est volé! Y'a d'autres trucs dans cette pièce? C'est quoi comme Bon, y'a cap? des perles. Y'a un plan d'invasion, on va le lire. N'empêche, ah mais si, je comprends pourquoi elle m'a vu la madame, c'est parce qu'elle était là dans l'angle. J'avais pas vu. T'as une cape? Je vois même pas la cape dans ton inventaire. Sois clair, je sais pas pourquoi elle m'a pas vu, mais. Bon, de toute façon, maintenant que j'en suis là, je vais tout voler. Pas se prendre la tête. Après double TP, on n'en parle plus. Ah, je suis trop content, là je suis en train de vider mon coffre dans le camp là où il y avait plein de merde à ça. Ah, ça fait du bien. Le nain se vide. Ah ouais, là je me vide fort. Hein. J'en mets partout. Ça se voit. Bon, le problème c'est que je sais pas trop comment je fais pour repasser devant elle là. Hein, quoi? Oh, non! Manifestement comme ça. J'ai envie de canner, ça pue. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, rien, je suis repassé devant, j'ai fait cacher réussi et hop, c'est bon. Allez, retrouvez-nous. Parce J'arrive. que c'est pas qu'on s'ennuie, mais on s'ennuie. Bah, il fallait être fufu là, c'était le moment. Après j'ai hésité, j'avais une flèche de TP, j'aurais pu utiliser ça aussi. C'est quoi les trois pauvres pêcheurs là? Pourquoi les pêcheurs? Qui pêche? Allez, on n'attend plus que le nain. J'arrive, j'ai bientôt fini de vendre toutes mes... Oh! Tu leur as parlé ou pas aux C'est quoi des pêcheurs là? E? Parce Non. que ça se vend cher. Ouais, non, mais j'ai failli vendre mon super casque de la Turbo Bagarre, donc On non. casse que le baume. Oh putain. Attends, si Bien tu veux joué, vendre petit des trucs, bouge trèche. pas. Ah bah allez-y, hein, faites-vous plaisir parce que c'est... Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a? Ah rien. Il y a une option qui m'embête un peu quand tu récupères des objets, et ben ça te fait boire des potions, donc j'ai changé mon élixir Ah, pour un ton autre tout élixir. nul. Ça te Ouais, fait boire une potion? ouais quand c'est dans le coffre du camp, si tu fais pas pick-up, ça te la fait boire, donc j'avais bu un élixir de truc magique alors que bah, j'en ai un peu strictement rien à péter. Ah, mais c'est pour moi ça en plus. Non, mais c'était pas l'élixir de mage de bataille, c'était un autre truc qui, je sais plus, fait A quoi. dit magique. Ouais, c'est J'en un ai truc pour tiré les hyper second. conclusions normales. Alors, c'était pas le super bien. On pas the le top. propos. Ok, c'était pas le bien. Pourquoi vous m'envoyez tout après coup? Je suis Ouais, plus devant le marchand. Ah, mais je croyais que tu y étais, c'est pour ça. Tu m'as dit envoie, moi je t'envoie. Hein. Ah, vous m'avez filé une patte de crabe magique. Ça porte chance. Ah bah super. Là vous êtes comment niveau santé? Niveau sort et tout On machin. vient de faire un Très short bien. rest là à l'instant. Ouais, non mais c'est savoir si on va aller faire un long rest bientôt ou si on va Non, continuer moi j'ai l'aventure. clairement pas besoin de faire un long rest. Hein. Ok, Ok, pas d'accord. besoin non plus. Hein. Tiens d'ailleurs, je vais utiliser une de mes amulettes. Mes trucs du long rest, je les ai même pas lancés encore. Donc je suis clairement Bon bah je peux utiliser un tranquillou. élixir alors Hop là, un vrai élixir. Mon perso est où? Il est là.
Vous êtes devant la grotte? Ouais. 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 Voilà, j'arrive, je suis en chemin. Vous avez vidé tous les coffres, bien sûr, je suppose. Ah, ouais. Vous avez vu, hein, toutes ces femmes en petite tenue. C'est incroyable parce qu'en fait, je peux te voler, je peux te mettre des trucs dans ton inventaire. Je peux déplacer les trucs. Ah non. Je peux essayer de te voler. Ah, loupé. Ça aurait été incroyable si j'avais réussi. Vous avez fait la quête avec la madame là qui s'est fait bousiller par le. Bah, je sais pas, on m'a demandé de faire une offrande. On peut parler aux dames, hein. Ah bon? Bah, on m'a demandé de faire une offrande, j'ai fait tenez un peu de sous. Et puis voilà. Et bon, je suis là. Oh là! Mais y'a plein de gens. Y'a des coffres! Mais c'est ça le problème, c'est que. Quoi, toi? On va te laisser passer devant. Peut-être qu'il faut baragouiner. Ouais, c'est pour ça que je me suis arrêté, je suis caché. Salut. Que j'ai réussi. Yo les potos. C'est qui la meuf là qui vient de passer là? Attitude catox moins 5? Il veut pas qu'on passe. Je vais parler à la dame là ici. Ah. Et on va faire quoi là-dedans? Ah, mais y'a toute une zone derrière que dans laquelle je suis jamais allé et je suis Ouais, oh. Non, malheureusement, on va devoir les tuer, je suis désolé. Si on parle, y'a pas moyen de gagner une quête quelconque pour discuter. Y'a du sang, y'a plein de dingueries là. Ah, ils ont tué un homme poisson, ils ont tué un fidèle de Boal. Non, c'était pas cela, c'était d'autres. Est-ce que je lance les hostilités avec un gros sort d'enfoiros? On peut pas leur parler. Est-ce que je peux aller là en cachet? Bah non, elles veulent pas. C'est incroyable. Ce jeu est incroyable. Vraiment. Est-ce qu'on a parlé à la grande prêtresse là qui était devant le cadavre? Bah on a pas y aller, c'est un peu le problème. Mais non, mais c'est à l'étage. Elle demande juste de faire un don. Bah on a de la thune, c'est bon. Elle te prend ton PayPal et fait un don. Ah oh oui, là et là. Après il se passe quoi? Elle a un OnlyFans quoi. Ouais. Bah vu le temple, c'est pas étonnant. En même temps, la zone derrière, elle a pas l'air d'être immense. Hein. On n'a pas un truc potion d'invisibilité, une connerie du genre? Si. On en a plein. Oh, et je vois des montagnes de richesses là. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Allez, vas-y Katox, prends l'or et les pierres précieuses. Katox a ramassé pour. Ah bah ça, il est bien ramassé. Incroyable. Il y avait combien? C'est pareil, 500 pièces d'or, c'est un peu triste. Hein. Maintenant, il y a des gros hommes poissons qui sont un peu partout là. Et derrière de ta zone, t'as que dalle. Ah merde! Oups. T'es en combat avec qui? Plein de gens. On arrive! Ah non, il y a une zone cachée là. Il faut sauver Katox! Oh d'abord! Ah non! On va devoir se battre en masse. T'es en combat avec toutes les personnes qui sont dans la pièce avec nous? Plus des chasseurs Sawagaken. Attends, parce que là je vois temporairement hostile, mais ils sont pas hostiles avec moi pour le moment. Non, mais avec moi, oui. Potion d'invisibilité. Non, mais du coup, t'es hostile avec tout le monde ou... C'est tout le monde, mais je pense que je vais recharger, sachant qu'il y a des richesses et qu'il y a une zone effectivement derrière un espèce de mur, mais. J'ai rien. On les bagarre, hein. Ouais, c'est ça, après on peut juste les bagarrer, hein. De toute façon, personne n'en saura rien une fois qu'elles seront mortes. T'as save, on est d'accord. Quoi, j'ai sauvegardé juste avant, ouais. Ouais, allez. Oh merde, mon épée a ripé. Oh, c'est vacherie, merde. Oh putain, le sol est tellement glissant. Ah, oh, bah non. Ah, mince. Mais... Ah, on est d'accord, vraiment, ce sol glissant. C'était toi, Arda, ça? Ouais, c'était moi, ça. Ah ouais, efficace. Ouais, je sais. Ah non, j'ai tué un teuteux. Par contre, comme vous êtes lent, mon écran il arrête pas de charger dès que vous faites un mouvement.
Ah, t'inquiète pas, on s'occupe de nettoyer la pièce et. En même temps, je suis sûr que c'est des fornicatrices avec les hommes poissons. Des fornicatrices avec les hommes poissons, carrément. Ouais, 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 non, mais c'est sûr et certain, tu vois, ça c'est des, c'était des déviantes là, tu vois, elles sont habillées. Chef, j'ai glissé, malheureusement, je les ai taclées dans ma chute. Oh purée, mais t'es. Le mec, c'est un bon qui arrive à se casser la gueule sur de la glace, quoi. Bah, j'ai plus les trucs qui font que j'ignore tout. Oh, c'est dégueulasse. Ah, ils sont contents avec les tentacules, là. Ah, vas-y, bouge, ma petite. Ah, elle a pas eu envie de se le tenter. Oh. Un boc. Ouais, bon, ah ouais, non, si on la turbo bagarre, je crois que l'élémentaire non, il restera. Non, t'inquiète, t'inquiète, ça va le faire. Non, c'est un petit machin tout. Et y'a une autre zone après là où t'es ? Bah y'a un espèce de mur. Ouais, c'est vrai qu'il y a un mur bien mûr, truc... bien raide. Mais tu vois que sur la carte il est bien raide et qu'il y a un truc derrière, mais. Et là actuellement tu peux pas l'ouvrir ? Bah en fait je sais pas si c'est parce qu'on est en combat ou autre. Oh ce petit saut tout nul. Saut de Gabri là, incroyable. Ouais, et donc je me fais plein de potes moi. Non. Tiens. Ah bah lui aussi il t'a dit prends ça, mais il a tout loupé. Bah il a tout loupé. Oh le nul. Ah là par contre. Tout va bien. Il m'a fait deux dommages. Grâce à Kish. Grâce à Wish. Alors. Oh non, t'es trop. Attends. Est-ce que je peux aller là? Incroyable. Donc là, on fait ça. Oh, je vais faire ça. Là, malheureusement. Oh, attends, attends. Quoi? Je peux faire un truc de furieux. Ah là, maintenant tu peux faire quelque chose. Ah non, mais je l'ai tué déjà. Mais je pouvais faire ça aussi, c'est pas mal. Tu vois, ça l'a tué aussi. Wouah! Naze. Ah non, j'ai plus assez de déplacement. Oh, c'est triste. T'es obligé de lui tirer dessus. Tu passes celle qui est en face de moi par contre. Ah, oui. Bon, le truc, c'est que là j'ai des attaques encore. Hein. J'en ai encore pour un moment donc. Mais bon, mon arc il est nul. À part me donner hâte, il sert à rien. Mmh. Bon, c'est quand même pas mal. Mais bon, au bout de 4 flèches, ça l'a tué. Et je vais aller looter ce truc. Ah non. Immunité contre terrain difficile, qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'en sors, Katox? Oh, je vais claquer une potion d'invisibilité, je suis parti. Un barbare! Ah non. Manifestement, ils s'en sont battus les couilles. Ah bah non, il est en train de tourner comme un débilos. Ah oui, effectivement, il est comme un teuteux. Ah ah, c'est trop marrant. Incroyable. Et où? Oui. Ils vont c'est tous faire la même chose. C'est rage, frénésie sanguinaire. Mm-hmm. Ouais, c'est. Comment ils nous foncent dessus? Ils nous foncent dessus! Ah, Travia, Lucreo, Mines, Castratos! Ça aussi, c'est la rêve de vieux, hein, putain. Ouais, mais c'était tellement bien, mais je me demande s'il n'y avait pas eu une saison 2 qui devait sortir de Reflet des Sœurs. Si, normalement, il a commencé. Il va faire un épisode de 5 heures, quoi. Qui va le relancer? Ouais, j'avoue, il va faire un épisode de 5 heures. Joli sort, bien violent. Ah, par contre, je pense qu'il va être un petit peu trop loin, malheureusement. Bah, c'est quand tu veux pour. Et l'autre qui se met pile poil dans ma ligne de visée. Oh là 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 là. Vas-y, bah, si tu veux balancer ton truc, parce que moi c'est pareil, j'aimerais me déplacer pour aller bagarrer, donc si tu peux faire ton truc et après je vais me battre. Allô? Ah, j'ai plus mon truc qui me permet d'accélérer. Mais j'aurais pas la distance pour les attaquer, je pense. Donc c'est bon, je peux y aller? En plus, il y a Temir qui fonce dans. Ouais, c'est pour ça que j'aimerais voir aussi jouer un petit peu avant qu'il ait tué toute la map, quoi. Allez, je tente ça. C'est bon, j'ai fini. Il lui reste 10 PV, c'est à toi, Venir. Ouais, bah, je pense pas que j'aurai la distance pour le.
Ouais, j'ai pas assez de mouvement. J'ai fait tout j'ai ce que j'ai pu. J'ai pas assez de mouvement. Et bien, je vais tirer des flèches comme un idiot. Paf. Et de 1. Je te la laisse ou... Non, fini là. Ah, oh putain, j'aurais pu me redéplacer, non, sérieux. Oui, où ? Une tête de poisson, tiens. Il est où le poisson ? Mais je veux pas arrêter mon tour. Toi, il est où le poisson ? Je le vois pas, le poisson. Ah, il est par terre. Il est effrayé. Ouais, mais je voyais pas où était le... Ah bah voilà. And open. Ouais, vous imaginez si on retombe sur les copains de Boal. Ça serait rigolo. Oh, ce serait trop bien. Je crois qu'il y avait que ça par contre. C'est sérieux, c'est tout. Bah après là, il y a un truc violet sur la carte, mais je sais pas ce que c'est. Ah ouais, on peut pas y... Oh y'a R. Ouais, c'est décevant. Alors bon. Heureux. On va juste tester un truc, voir si quand on remonte, on n'a pas tout le temple à défoncer pour sortir. Alors franchement, j'espérais avoir tout un temple sous-marin et tout machin, mais... Mais non. Ouais. Comme quoi cette cave, importe bien son nom. De la reine Garce. Ah ouais, moi j'ai... Ah, je suis en combat. Pas du tout. Pas du tout. Moi j'récupère les couteaux en charge. Je suis surtout en chargement, donc... Y a pas marqué temporairement hostile. Par contre, y a une musique de combat. On peut leur parler ? On n'a pas looté les cadavres. Mais bien sûr que si, on les a lootés. Non. D'accord. D'accord, la personne était un peu spéciale. Si je pouvais connaître une mort pareille, non, en fait. Mourir, c'est pas fun. Oh, c'est beau ce que tu dis. Mourir, c'est pas fun. C'est beau, c'est... Bah, je me suis agenouillé, puis j'ai volé le cadavre, c'était bien. La mort, c'est pas vivant. C'est honteux. Donc c'est bon, on n'est pas en bagarre avec ? Non, on n'est pas en bagarre, il s'est rien passé, tout va Ils bien. Ils sont au courant de rien. Là, quand elles vont aller pleurer leur sœur et qu'elles vont la mettre dans la caverne en dessous, là, elles vont faire. Ouais. Elles auront quelques sœurs de plus à pleurer. Voilà, elles vont découvrir qu'il y en a eu d'autres. Ah, mais par contre, il y a la chef qui est là-haut. Elle a terminé son blabla. Et tu sais quoi, avant que tu lui parles, on va arrêter l'épisode là parce que ça fait assez longtemps. Ah ouais ? Et comme ça, on reprend ça dès le prochain épisode. D'accord. Et bah, à plus tout le monde, j'espère que l'épisode vous aura plu, et à très bientôt. Bisous, tchou.